du soleil, comme s'il en pleuvait, le cœur en été, et la vie avec toi, du soleil, mon Eldorado. Il est 8h17, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour Sylvie, bonjour Frédéric. Ah oh, oui, vous avez entendu Yannick Noah chanter parce qu'il n'a pas été que chanteur, il a été aussi tennisman et héros de Roland-Garros. Le tournoi a déjà commencé avec les qualifs depuis lundi, il se poursuivra avec le grand tournoi à partir de ce week-end. Mais si on en parle avec Sylvie, ce n'est pas pour parler de ses capacités sportives à Sylvie, mais tout simplement pour son regard sur l'architecture parce que Roland-Garros se refait une beauté, on le sait. Oui, et à une beauté qui va durer un moment quand même. Ça, parce que on transforme. Quelques années, j'ai l'impression. Oui. Exactement, jusqu'à 2021 à peu près. Alors, c'est vrai que transformer un stade mythique comme celui de Roland-Garros, c'est pas facile et c'est pas un coup de baguette magique. Hein. Même pendant le tournoi, quoi. Même pendant le tournoi. Oh, alors, c'est... en général, on va jusque la veille du tournoi. Et puis, les travaux s'arrêtent. Le tournoi est terminé. Pouf, allez, on recasse tout. Alors, ça, c'est vraiment fait par tranche. Il va y avoir des transformations quand même colossales. Il faut savoir que... Ce qu'on voit derrière vous, c'est le final, le projet. Le final, voilà. C'est le projet futur, notamment avec un toit. Exactement, un toit qui va... décapsulable. Oui, enfin, ouvrable. Mais pourquoi il fait des commentaires? Et tout le temps, de toute façon, dès que vous êtes là, Frédéric, il a des commentaires. Bon. C'est qu'il vous adore. Mais si, oui. Il a raison. Bon. Il a raison. Ainsi, alors, qu'est-ce qui est fait là, présentement? Le village, qui a été déplacé au cœur du stade. Ensuite, il y a trois cours, quand même, des petits cours annexes qui ont été construits, c'est pas rien. Il y a le fameux cours qui est dans les serres, qui est en train de finir de se construire, parce qu'il y avait eu polémique, parce que aussi on s'était demandé si on n'allait pas déménager Roland-Garros. Enfin, bon, bref, on a fait le point avec Gilles Jourdan, qui suit tous les travaux depuis le début. Je peux vous dire que c'est pas facile et il dormait pas. C'est 8 heures par jour, Gilles. Regardez. Oh. Nous, on ne peut pas mettre le petit panneau à l'entrée du stade fermé pour cause de travaux pendant 3 ans. Voilà, c'est pas possible. Hein. Donc, on est obligé de faire le tournoi chaque année. C'est ça la difficulté. Le central est l'enjeu majeur du projet, hein. C'est le bateau amiral, le central. Le central, on va mettre 3 fois 10 mois pour le faire. Cette année, refait toutes les reprises en sous-œuvre, les fondations, etc. Après le tournoi 18, là, si vous revenez une semaine après, on commence à le casser. On reconstruit les gradins pour le tournoi 19. Après le tournoi 19, on met le toit. C'est un toit rétractable et c'est 11 ailes d'avion, on appelle ça les ailes d'avion en hommage à Roland Garros, hein, qui se déplient comme un accordéon. Sur 2 grandes poutres métalliques qui font 110 mètres de long. Chaque aile pèse 300 tonnes. Et donc, vous avez là-haut 3000 tonnes qui se déplacent en 12 minutes sur 1 hectare. On a besoin de 3 choses principales pour faire un bon tournoi du Grand Chelem ici. C'est 1, la place, 2, la place, 3, la place. On s'est posé la question, est-ce qu'on reste ou est-ce qu'on va ailleurs? Donc, le ailleurs fait un peu peur, quand même, parce qu'ici, vous avez l'histoire. Hein, le cours central, le cours Philippe Châtrier, voilà, les joueurs de 28, ils ont foulé le terrain, ils ont gagné là, et puis les joueurs de 2000 aussi. Donc il a été décidé de rester ici. On pouvait avoir une petite extension possible dans le jardin botanique des Serres d'Auteuil, où nous avons déplacé le 3e cours, dans un petit cours de 5000 places, installé au fond du jardin et entouré de magnifiques serres. Au début, les gens avaient peur, effectivement, d'aller construire un container dans un jardin botanique, ça peut se comprendre. On a vraiment fait quelque chose d'exceptionnel, quoi. Le cours semi-enterré, vous ne le voyez jamais quand vous vous baladez dans le jardin, et les gens sont plutôt contents. John McEnroe se fâche, mais quand McEnroe se fâche, McEnroe joue bien. On a créé un siège Roland-Garros. On revient au bois, il y avait des bancs en bois avant dans le temps à Roland-Garros. C'était compliqué de mettre ça au point parce que c'est pas un stade couvert, hein, on est en plein air. Ce bois, c'est du châtaignier des Vosges. Et il y a une entreprise française qui réalise ce siège. Et on en est assez content et voilà, et il sera développé sur le cours Philippe Châtrier et sur le cours des Serres. On a un tournoi du Grand Chelem exceptionnel à Paris, ville exceptionnelle, en France, formidable. Mais bon, les autres, ils avancent. Déjà, nos concurrents directs, ils sont Wimbledon, l'US Open et l'Australia Open, ils font des travaux, ils font des toits, ils font des trucs dans tous les sens. Puis après, il y a tous les pays émergents. Les Chinois, ils vous construisent 10 stades en une semaine, comme ça, et 4 fois plus de sous. Si on se bouge pas, on est mort. Voilà, donc on se bouge et on va avoir un petit écrin formidable. Nous, c'est la qualité, c'est pas la quantité. Et on aura le plus beau stade du monde à Paris. Ouais, vas-y, Yannick!
Quelle voilà. actrice. Alors, 2019, ce fameux stade, cours semi-enterré Simone Mathieu, du nom d'une ancienne championne résistante durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il sera ouvert. Donc, les travaux finiront en 2021. Roland-Garros, ça commence le 28, vraiment. Oui. Là, c'est qualification, mais ça commence vraiment. Et nous y serons d'ailleurs dès lundi prochain, 28 mai, nous y serons en direct avec Jean-Sébastien Fernandez et avec notamment Philippe Collignon qui sera lui en direct des serres, des fameuses serres et de ses cours. Voilà, nous en parlerons dans Télématin. Merci pour toutes ces informations, merci pour ces jolis sourires et ce très beau rôle que vous avez endossé. de avec vraiment beaucoup de talent, Sylvie.